BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et nous sommes en liaison avec l'invité aujourd'hui, Richard Attias. Bonjour, président de la Future Investment Initiative. Avec nous depuis Riyad en Arabie Saoudite, vous êtes l'organisateur donc du Davos du désert, 5e édition de ce sommet économique organisé par l'Arabie Saoudite qui débute aujourd'hui. On attend 6000 participants, 500 intervenants, c'est 200 de plus que les éditions précédentes à peu près. Richard Attias, l'Arabie Saoudite confirme encore un peu plus sa place d'interlocuteur stratégique. En tout cas, merci dans un premier temps de m'accueillir et j'aimerais juste faire deux, trois, pas mise au point, mais être précis. Premièrement, la Future Investment Initiative est une conférence internationale qui est organisée par une fondation à but non lucratif qui s'avère être en Arabie Saoudite. Mais ce n'est pas le gouvernement qui organise cette conférence. Et je crois que c'est important de le dire, c'est une conférence totalement indépendante et que beaucoup surnomment le Davos du désert parce qu'effectivement, j'ai passé 15 ans à organiser le forum de Davos, mais elle commence à avoir sa propre identité. Sa propre identité, et je dis ça parce que ça va répondre à votre question, ce qui est certain, c'est que dans ce nouvel ordre mondial qui a commencé déjà il y a quelques années, en 2017 à la première édition, nous avions déjà trouvé un thème qui expliquait ce nouveau rééquilibre entre l'Ouest et l'Est, et qui est de plus en plus évident aujourd'hui. Il s'avère que Riyad est au barycentre de ce nouvel ordre mondial. On est vraiment, je le vois, dans cet équilibre ouest-est-nord-sud, qui est complètement un nouvel équilibre mondial, comme l'a souligné il y a quelques minutes sur scène le président Macky Sall, qui avait appelé déjà à cette nécessité d'avoir un nouvel ordre mondial, dont il fallait parler avec courage, sur toutes les institutions internationales et autres. Eh bien, il s'avère que Riyad occupe ce centre extrêmement stratégique et c'est ce qui fait que nous avons ce matin ouvert avec plus de 7000 participants venant de 50 pays différents, dont deux tiers non locaux, si je puis dire, avec une très grande délégation américaine de plus de 400 chefs d'entreprise, 80 chefs d'entreprise chinois qui ont l'obligation, une fois retournés chez eux, de passer deux semaines de quarantaine. Donc ça montre qu'effectivement, cette conférence est devenue une plateforme où le dialogue s'établit et tout ça depuis Riyad. Jean-Marc Daniel, l'Arabie Saoudite qui est de plus en plus critiquée politiquement, c'est finalement devenu un interlocuteur incontournable depuis la guerre en Ukraine. Oui, c'est un interlocuteur incontournable pour deux raisons. La première raison, c'est que c'est cette année le pays qui va avoir le plus fort taux de croissance. Et donc, entre 7 et 8%. Et donc, une des raisons, c'est évidemment les hydrocarbures. Mais encore une fois, c'est la reconversion de l'économie. Et la deuxième chose, c'est un pays qui cherche effectivement à s'affirmer. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un pays qui a une diplomatie. Qui a une diplomatie avec une armée puissante. Et donc, c'est un pays qui devient incontournable. Ce que j'aimerais demander à Richard Attias, c'est est-ce qu'il y a des... Alors, on a parlé de la réaction de Joe Biden qui demandait à boycotter ou tout au moins à ne pas se précipiter à ce forum. Est-ce qu'il y a des pays dont vous pensez qu'ils sont absents, pas assez représentés et dont vous aimeriez avoir une présence plus forte ou est-ce que vous considérez que finalement vous avez pour l'instant véritablement réussi à attirer les gens dont vous avez envie d'avoir la présence ? Merci pour votre question. Effectivement, nous essayons d'être le plus inclusif possible. On a toujours envie d'être plus inclusif. Et je dirais que il y a les pays d'Amérique latine déjà qui ont beaucoup de difficultés souvent à venir à Riyad, non pas par rapport à la destination, mais c'est assez loin, c'est compliqué. Il y a encore les process de visa qui ne sont pas faciles, même si aujourd'hui il y a un visa électronique qui permet à beaucoup de monde de venir en Arabie Saoudite très très rapidement sans trop de contraintes administratives. Ensuite, il y a une autre partie du monde qui mériterait aussi d'être un peu plus présente ici. C'est quelques pays africains, mais nous essayons d'y travailler fortement. Un certain nombre de chefs d'État africains sont venus, mais effectivement, il y a encore les pays du Sud qui ont, essentiellement pour des problèmes géographiques. Alors maintenant, puisque nous sommes sur BFM Business, et je vous remercie, on n'a jamais assez de Français, pour être tout à fait franc. C'est-à-dire que malgré l'activisme personnel que j'ai par rapport au pays dans lequel j'ai passé près de 20 ans de ma vie, eh bien oui, il y a de plus en plus de chefs d'entreprise français, mais il n'y en a pas suffisamment. Et il n'y en a pas suffisamment, et je pense qu'ils perdent une opportunité certaine. Et c'est dommage d'ailleurs que les membres du gouvernement français, de certains étaient confirmés, ont dû annuler pour des raisons X ou Y. Mais Richard Attias, est-ce que c'est dû à des raisons politiques ?
Est-ce que c'est dû à des raisons politiques? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est dû à des raisons politiques, mais en tout cas, si c'est dû à des raisons politiques, pardon de dire très franchement que c'est une erreur. C'est une erreur parce que d'abord, la conférence est une conférence très indépendante, qui n'a aucun agenda politique. Et je crois que si des ministres grecs, des ministres hongkongais, des représentants de différents pays viennent, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un pouvoir économique plus fort. Mais je me réjouis que Catherine McGregor de Engie ait été avec nous dans la grande cérémonie d'ouverture où elle était aux côtés des patrons de Goldman Sachs, des patrons de Bridgewater, des patrons de JP Morgan, des patrons de très grandes entreprises internationales, africaines et asiatiques. Voilà, je me réjouis que Catherine McGregor, à la fois en tant que femme et en tant que chef d'entreprise, et relever ce défi et représenter la France à notre grande cérémonie d'ouverture. Je lisais, Richard Attias, que vous disiez qu'il ne faut pas ignorer les problèmes, sous-entendu ceux des droits humains, mais que le boycott et la rupture du business ne sont pas la solution. Probablement que vous faites aussi allusion du côté des États-Unis, Joe Biden qui boycotte cet événement, mais les patrons américains, qui effectivement, vous nous le disiez, ne le boycottent pas du tout. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. On en attend 400, on a le patron de JP Morgan, vous l'évoquez aussi, qui sera là. Ça veut dire que les affaires continuent, et même plus que jamais. Oui, je ne pense pas qu'il faille appeler ça boycott. Je pense qu'il y a les problèmes liés à la crise pétrolière, et Joe Biden a dit tout simplement qu'il n'appréciait pas la politique ou la décision qu'avait pris l'Arabie Saoudite, mais qui en fait est une décision qui a été prise par tous les pays de l'OPEC. Et je crois qu'il faut remettre les choses au clair. Mais incontestablement, je crois que ce qui est bien et ce qui me rassure, parce que ça a été personnellement ma politique depuis 20 ans, et je l'avais mise en œuvre sur un certain nombre d'événements qui se tenaient dans certains pays que l'on je dirais, appelait parfois au boycott, et pas pour des raisons personnelles ou éthiques. Hein. En 2008, souvenez-vous, beaucoup de gens appelaient au boycott des Jeux Olympiques, de la cérémonie en Chine. Et finalement, tout le monde est venu en Chine. Tout le monde, y compris tous les chefs d'État, y compris les chefs d'État français de l'époque, qui sont venus assister à la cérémonie d'ouverture. Je pense qu'il faut faire très attention, et je vais citer Patrick Pouyanné, qui a toujours eu, et qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui pour d'autres raisons, mais les dirigeants de Total Energy sont très présents, c'est qu'il dit la politique de la chaise vide n'a jamais réussi et n'a jamais marché. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, et je pense que c'est de façon très pragmatique ce que tous les grands chefs d'entreprise du monde, américains ou autres, pratiquent, aujourd'hui, c'est la diplomatie économique. Et je pense que si on veut créer des emplois, si on veut faire redémarrer une économie mondiale qui n'est pas au mieux de sa forme, si l'on veut travailler en multilatéralisme, si on veut vraiment travailler en coopération internationale, et si on veut que 1 plus 1 fasse 3, bien, il faut dialoguer, il faut se retrouver. Et le Covid a démontré que finalement, tout le monde était très frustré de ces interventions en virtuel et en ligne, même si très gentiment vous m'accueillez en ligne aujourd'hui, et de se retrouver en personne. Voilà. Voilà, 7000 personnes sur cette première journée du Davos du désert, même si vous n'aimez pas trop qu'on l'appelle comme ça, Richard Attias. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes le président de la Future Investment Initiative. Vous étiez avec nous depuis Riyad en Arabie Saoudite.